Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Femme parce que ce n'était pas en adéquation avec... Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mardi au cinéma Le Club, ne manquez pas le film documentaire Océan, un autoportrait intime d'un homme transgenre. Océan décide de faire son coming out, de changer de genre et de s'affirmer tel qu'il est un homme trans. Rencontres et discussions sont prévues avec le réalisateur à la fin de la projection. Au grand angle de Voiron, ne manquez pas mardi le lac des Cygnes à 20h par le chorégraphe d'origine tunisienne Redouane El Medeb. Il s'affranchit de l'écriture classique pour la rendre plus romantique et émotionnelle en agissant sur le corps dans sa partie charnelle et émotive. Viviane Meyer est une grande photographe humaniste du XXe siècle. Elle réalise en secret des vues d'Amérique, mais aussi de la vallée et des Hautes-Alpes. Son talent n'a jamais été révélé de son vivant, une exposition à voir au musée de l'Ancien Évêché. C'est une femme qui photographie compulsivement, qui, partout où elle va, a son appareil photo. Elle est professionnellement, elle s'occupe des enfants, c'est une nanny, voilà. Et donc, elle photographie évidemment les gens. Elle photographie ce qu'on pourrait appeler les gueules, ces visages avec des traits forts qui font sens et qui témoignent. Elle photographie aussi les enfants. C'est une femme qui a toujours son Rolleiflex et ensuite son Leica autour du cou. Mais elle photographie aussi des formes. Et puis elle a aussi un autre intérêt pour les autoportraits qui sont d'une richesse de réflexion, de travail et de projection vraiment intéressante. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.